venir. Je sais que tu as perçu la haine de Sasuke depuis le tout début. Même quand vous faisiez partie de la même équipe, et bien que tu aies passé des années auprès de lui, tu n'as pas pu te débarrasser de Sasuke de la haine qui le rongeait. Bien au contraire, sa haine ne fait que grandir, En d'autres termes, tu ne peux sauver personne de sa haine, ni le prendre sur toi. Ça y est, tu as fini? Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que je devrais être paralysé par la peur et ne rien faire? C'est bien ça que tu voudrais, n'est-ce pas, Kyuubi? Et... c'est toi qui es trop tendre. Comment peux-tu avoir tellement confiance en ce que tu n'as... alors que tu n'as pas pu sauver Sasuke? Parce que si je doute de... merde, d'une manière ou d'une autre, je m'occuperai de Sasuke et de cette guerre. Espèce de... espèce de Nabo, tu es devenu une forte tête, hein? Tu sais, Kyuubi, un jour, je m'occuperai aussi de la haine qui t'habite. Je sais que tu m'as beaucoup fait souffrir, mais je sais qu'on est malheureux quand on est manipulé par la haine. Tu es stupide, je suis Kyuubi. Je ne suis pas tombé à ton pathétique niveau. La haine et l'étoffe dont je suis fait. Alors si d'accord, je ne suis pas un abo et je relève le défi. A plus. Non, attends. Qu'y a-t-il? Rien, ce n'est pas à toi que je parlais. Bi, nous devons nous dépêcher à aller jusqu'au champ de bataille. Alors, bon, quand même, ils ont sauté un truc parce que normalement, quand Kyuubi, attends, normalement, quand Naruto et Bi essaient de s'échapper, il y a des mecs qui ont essayé de mettre en place une barrière qui les empêchait de partir. Bon, ça n'a pas marché, mais bon, ils ont quand même sauté ça de l'histoire. Quoi? Quelque chose approche. Bande d'imbéciles! Mami Tsunade? Non, frangin! Nous sommes ici pour vous arrêter. On ne peut pas vous laisser aller plus loin. C'est donc à cela que ressemble quand il contrôle le chakra de Kyuubi. Tu t'en sors bien, Naruto. Tu dois laisser passer Naruto, tu vois. C'est lui qui a promis de le protéger, c'est moi. Qu'est-ce que tu dis? Ce combat a pour but de vous protéger tous les deux. Si on vous capturait, ce serait la fin du monde, oui, Maître Rukam l'a dit. Alors pourquoi vous dirigez-vous vers les combats? Vous êtes vraiment stupide à ce point? Je refuse que quelqu'un souffre à cause de moi, même si nous gagnons, si tout le monde meurt autour de moi. À quoi cela aurait-il servi? Je ne veux pas ça. Alors mieux que la fin du monde, c'est pour cela qu'ils ont tous accepté de risquer leur vie. Pas question de rester en retraite et de regarder ça de loin. Je ne supporterai pas plus de vivre en ça ensuite. Ce ne sont que des gamineries, je ne te laisserai pas passer. Mami Tsunade, vous devrez comprendre. Je vais mettre fin à cette guerre moi-même. Laissez-moi passer. Je représente officiellement l'Alliance des Ninjas et elle a décidé de vous arrêter. Ce n'est pas parce que je suis Hokage que je peux faire ce que je veux. Je comprends. Dans votre position, vous ne pouvez rien faire alors. Je vous forcerai à me laisser passer. Hokage rapide.
Aucun ninja dans le monde n'est plus rapide que moi. Plus depuis la mort du quatrième Hokage. Vous connaissez mon père? Oui, je l'ai souvent combattu. Il m'a démontré qu'aucun ninja n'était meilleur que lui. Il paraît que Jiraiya, le ninja légendaire de Konoha, l'appelait l'enfant de la prophétie, le sauveur. Mais alors, pourquoi n'est-il pas ici au cœur de cette crise? Parce qu'il a échoué lors de l'incident Kyubi. Et toi, son fils, tu en as tiré aucune leçon. Tu es assez idiot pour te forger une opinion des possibilités. Dans ce cas, ne prétendez pas que vous connaissez mon père. Tu as poussé un cri. Tu étais né. Ce jour-là, Minato cria « Je suis père !» Et après... Et après, il a chassé Madara et Kyubi du village en utilisant toute sa force. Le chakra de Kyubi était trop puissant, alors il a scellé la moitié en lui. De grands changements et les désastres qui les accompagneront et Madara. Et il disait que le seul pouvoir les arrêter, c'est son fils. Mon père, il est mort en te confiant tout le reste, Naruto. Il croyait en toi. Le quatrième Hokage n'a pas échoué. Si tu veux tellement y aller, alors je vais te détruire. Oula, hé, Hokage. Kyubi mettra du temps à réapparaître. L'ennemi devra reporter ses plans lui aussi. On dirait que tu te moques de ta propre vie. Bill, qu'est-ce que tu fabriques? Si je meurs, ce sera pareil. L'ennemi devra mettre ses plans en veille. Je me sacrifie pour que Naruto y aille. Bi, vous êtes des réceptacles, vous n'êtes pas totalement maître de vos vies. Vous représentez l'équilibre des pays, la force des villages. Pour eux, vous êtes important. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Apprenez votre place, Banjidio. C'est peut-être vrai, mais mon esprit n'abandonnera jamais son individualité. Car si je la perds, je ne serai que... Ah merde. Arrête de plaindre. Vous allez écouter bien sagement ce que j'ai à vous dire. Il est sur les nerfs. Il n'est pas en état d'écouter la voix de la raison. On doit arrêter mon frère, Hachibi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de force. Ne fais pas le malin. Le niveau de ton frère va bien au-delà des mots. Yeah, yo, Mister Poulpe. Laisse-moi m'en occuper. Recule-toi pour ne pas te blesser. Bi, tu oserais lever la main sur moi? Naruto et moi, on ne perdra jamais, on le sait, oui, on le sait. On peut discuter autant que tu veux, mais je ne te laisserai pas filer. J'utiliserai ma force pour t'arrêter. Tu ne nous arrêteras pas avec ta force, parce que nous, on a du cœur. Je vais te le montrer. Oui! Donc j'ai Killer Bee contre son frère, avec Naruto, et j'ai Killer Bee, à mon avis ça doit être Killer Bee et Ai. Ouais, voilà, deux soleils, ok. Je croyais que c'était Killer Bee avec Naruto et Ai avec Tsunade. Bon, vu que c'est un VS comme ça, à mon avis il va y avoir des actions contextuelles, et des choses à faire je pense. Genre des ruées, tout ça là. Alors, gagner le combat, l'attaque ennemie renforcée plus 15, maintenez la jauge de PV au-dessus de 40%. Alors, pourquoi tu cherches pas à protéger Kyubi? Laisse tomber, tu peux pas m'avoir. Je
Putain, c'est pas vrai ça. C'est terminé, frère. Très bien. Larga! Oui! Impossible! Séquence cachée. B, tu n'as toujours pas atteint l'aria idéal. J'ai surpassé ton idéal depuis longtemps, frangin. Tant qu'il y aura des choses auxquelles je tiens, je ne mourrai pas, frère. Le vœu que j'ai fait avec toi. Rang S. Bento robuste fois 1, saut de chakra scellé fois 2 et 15 000 rios. Hop, vous pouvez assigner des outils de ninja de haut niveau. Niveau 3. Ah, pas niveau 4 encore. Gare à Grande Guerre des Ninjas. 830 000 rios obtenus, nouveau personnage disponible. Madara réincarné. Carte 378. Carte 802. Et voilà. C'est déjà pas mal. Donc, il vient de se prendre un gros lariat dans la gueule. Par Killer Bee. On va voir la suite des événements. Bee, d'où tu sors une telle force? Naruto et moi, on n'est pas que des réceptacles de nous. Même aussi, on peut faire le spectacle. C'est ce que tu m'as dit avant que je reçoive Hashimi. Je ne peux pas l'oublier. Tant que je me souviendrai, je pourrai rester fort. Avant que tu reçoives Hashimi, je me souviens de ce que t'as dit à la cascade de la vérité. Alors, tu as enfin compris? Tu es en train de me dire que tu es fort juste parce que tu te souviens de ce que j'ai dit? Je ne suis pas juste important pour le village ou le pays, je suis important pour toi, mon frère. Tu t'inquiétais tellement que tu voulais me protéger, mais tu doutes de plus en plus de ma force, tu sais. Quand tu deviens réceptacle, ton cœur se fait écraser. Mais les choses que tu ne veux pas perdre brillent encore plus fort et ton cœur s'illumine. Alors oui, mon démon à queue n'est pas la seule source de pouvoir, ok? De force, ok? Parce que je sais que j'avais avant de recevoir le démon qui brille aussi fort que le soleil. C'est là que j'ai compris d'où je tirais ma force, et oui. C'est pour ça que je suis le seul à pouvoir contrôler Hashimi. Et il y a un même soleil dans le cœur de Naruto. Il y a même deux soleils chez lui. Deux? Oui, peut-être quelque chose comme le soleil. Naruto Uzumaki, quels sont ces deux soleils? Mon père et ma mère. Ton père et ta mère? Minato et Kushina? Mais ils sont morts quelques instants après ta naissance. Quand j'ai reçu le pouvoir de Kyubi, mon père m'a laissé revoir ma mère. Il m'a laissé le chakra du chakra pour que, quand le sceau de Kyubi se brise, ma mère puisse venir me voir. Il l'a fait pour moi. Minato, je sais qu'il n'est pas mort en vain, mais qu'il faut qu'il fasse tout ça pour son fils. Quand il m'a confié ce pouvoir, ma mère a appris quelque chose. Elle m'a dit qu'il y a 16 ans, mon père avait deux certitudes. Deux certitudes? Que l'un
masqué qui était à l'origine de l'Essida et qu'il reviendrait semer le chaos à la ville. Et que celui qui l'arrêterait, ce serait moi, une fois que je contrôlerai Kyuubi en tant que réceptacle. Tu veux dire que Minato t'a tout confié? Que ce n'était pas lui le sauveur? Je ne sais pas si mon père se considérait comme un sauveur ou non, mais mon maître appelait mon père l'enfant de la prophétie, le sauveur. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Minato le sauveur est mort. Tu es en train de me dire qu'il n'a pas échoué? Oui, mon père est mort. Il est mort avec ma mère pour sauver Konoha des griffes de Kyuubi et pour me sauver moi. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps, mais ils m'ont donné quelque chose. Quelque chose d'assez fort pour me convaincre que je pouvais le faire. Ce rôle m'a été confié. Bien sûr. Si nous voulons protéger le monde des ninjas, nous ferons mieux de laisser passer Naruto. Laisser Naruto y aller. Si c'est en quoi Minato croyait, je suis prêt à parler sur Naruto. Moi aussi. Raikage, que décidez-vous? Frangin. Tu es toujours aussi entêté cette fois. Je me dois d'intervenir. Attendez. Je vais le faire. C'est le Raikage essaie de faire. Je le comprends. Naruto? Prépare-toi, Naruto. Je suis prêt. Ouais, aussi tout à l'heure, quand Naruto est passé... Enfin, a passé Iruka en quelque sorte. Il y a un épisode qui montre que Iruka avait laissé, parce que Naruto fait tomber son bandage sans faire exprès, et Iruka lui avait mis un mot à l'intérieur, et Naruto apprend que Iruka l'aimait, patachi patata. Donc voilà, c'est une petite parenthèse qu'il y avait dans les épisodes. Sinon, à part ça, ça suit assez bien l'animé, je veux dire. C'est plutôt pas mal. Bon, après il y a certains combats qui sont en plus, mais bon, si ces combats n'y sont pas, après on pourrait pas faire un excellent jeu. Donc, gagner le combat, attaque de l'ennemi renforcée x20, achever l'ennemi avec un ninjutsu. Explosion de mon queue. Je vais le faire un enchaînement, moi. Ah. Il me reste quoi? Il me reste une permutation, 8, 2. Il va falloir essayer de faire attention. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, 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 escape-toi. Est-ce que ça me tue? Oui, magnifique. Ce n'est pas terminé. Alors, 20 000 rios, manuel de combat en équipe 2x1 et bento de protéines x1. Ah, S, parfait. Ah, pas encore. Yugito, réincarné? C'est qui Yugito? Ah, c'est pas... Ah, c'est bien ça. 860 000 rios obtenus, nouveau personnage. Yugito, ni... Deux nouveaux personnages, ça fait. Je vais te montrer toute ma force, ce sera ma dernière attaque. On m'a confié tellement de choses.